L'égalité des sexes à Mondragon. Pendant les deux dernières décennies, la mairie de Mondragon a été pionnière dans l'impulsion des politiques publiques d'égalité. Les demandes historiques du mouvement féministe et la volonté politique se sont rassemblées. Et ainsi, en 1996, le département d'égalité a été créé. Le parcours du département, en constante collaboration avec un groupe important de femmes de Mondragon, a rejoint dans la création de Emakume Txokoa en 2003. Emakume Txokoa est née avec un esprit transformateur et a pour objectif d'atteindre une Mondragon différente où la parité entre femmes et hommes soit une réalité. Sur la base des exposés féministes et à travers divers programmes, Emakume Txokoa travaille pour faire en sorte que Mondragon soit une ville où les femmes et les hommes soient capables de créer librement une communauté ou vivre une vie en égalité. Ainsi, Rabetse Eskola, ou l'école d'autonomisation, est la clé pour travailler l'autonomisation des femmes et qu'elle soit le sujet du changement qui est nécessaire. Il faut souligner également le projet participatif André Détan, qui consiste en la réalisation et la mise en route d'un plan municipal pour mettre l'accent sur la participation sociopolitique des femmes. Il faut remarquer que ce plan a été conçu à travers un processus participatif dans lequel de nombreuses femmes ont réalisé leurs apports. La lutte contre la violence machiste, sous toutes ses formes, s'articule fondamentalement en deux axes. Le premier, doter de services toutes ces femmes qui souffrent de n'importe quel type de violence machiste. Et le deuxième, la prévention, en mettant l'accent sur l'éducation du collectif juvénile. Bien qu'il y ait eu des progrès seulement dans une ville où la participation et les rôles, les droits et les obligations s'appliquent d'une façon paritaire, nous pourrons parler d'une ville juste.